moi qui ne sont pas spécialement j'en peux réduire un peu, sont pas spécialement scientifiques, qu'il y a tout de même beaucoup de mots que nous ne connaissons pas. D'abord, je voudrais remercier M. Couratier, puisque, je dirais, et avec son équipe, un conseil scientifique, ça demande du temps, c'est un travail, surtout que là, ça a été un peu sous la pression. Et merci d'avoir pris la relève. Vincent Méninger, qui est là, qui pourra participer, bien sûr, à ce débat et auquel nous, s'il le veut bien, voilà, auquel nous rendrons un hommage particulier dans quelques mois, et qui reste celui qui a initié aussi bien sur le plan de la recherche que d'accompagnement tout ce qui s'est fait en France depuis 25 ans. Voilà, donc toutes vos questions sont ouvertes. Peut-être simplement aussi préciser pour ceux d'entre nous qui accompagnons, qui regardons un petit peu cette histoire de la recherche depuis 25 ans avec un regard parfois un peu désabusé ou en se disant que les résultats sont minces. Je veux dire que ce qui me paraît particulier cette année, c'est qu'on resserre autour de trois points, et c'est ce que nous avions souhaité. Il y a le projet transversal, vous avez abondamment parlé, qui fera travailler l'ensemble des centres SLA. Tout ce qui tourne autour du métabolisme et tout ce qui tourne des questions génétiques. Donc on resserre sur un certain nombre de points, à tort ou à raison, mais avec le sentiment qu'il faut, avec nos petits moyens, car ce sont très petits moyens à l'échelle mondiale, qu'il faut qu'on précise un petit peu les points sur lesquels on souhaite avancer. Voilà, quelles sont les questions ? Deux questions, une très, très technique dans le projet 2, c'est-à-dire la mesure de la modulation du métabolisme énergétique. Pourquoi a-t-on choisi la mesure chez les monocytes ? C'est très technique. La deuxième question, à mon avis, qui est plus intéressante, c'est dans le projet transversal qui porte sur 1000 patients, quel est un petit peu le devenir du programme en termes de chronologie et quelles sont déjà les perspectives que vous envisagez ? Alors, sur la première question, les monocytes, c'est donc des cellules sanguines, donc c'est quand même très facile et elles démontrent à peu près les mêmes qualités, en tous les cas par rapport au métabolisme, que les cellules neuronales. Donc ça paraît extrêmement très intéressant. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est de montrer que, en fin de compte, les anomalies métaboliques, elles ne sont pas observées qu'au sein du système nerveux, mais qu'on le retrouve également au niveau d'autres cellules. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le projet transversal, puisque a priori donc les choses semblent actées sur le plan budgétaire, donc il faut qu'on en parlait tout à l'heure avec Vincent Méninger, on va se réunir et les choses vont démarrer à mon avis assez vite, en sachant qu'on a la chance a priori unique en tous les cas au niveau européen, c'est de disposer d'une base de données phénotypiques qui est informatisée. Depuis 2 ans, les centres SLA, ont réellement fait l'effort de pouvoir colliger les données cliniques. Donc on a déjà une source qui est extrêmement importante. Il faut qu'on mette en place sur le plan technique la collection des prélèvements biologiques, mais les choses vont démarrer très vite. Et avec quelle perspective, vous pouvez dire déjà ? Pour avoir les premiers les choses peuvent aller relativement vite dans le sens où on a une puissance de frappe entre guillemets qui est importante puisqu'on peut avoir des datas qui vont porter sur 6000 patients par exemple et que sur un nombre de plusieurs milliers de patients il est possible de faire des sous-groupes qui aient un sens et de pouvoir les comparer entre eux en tous les cas. Il y a une question de financement aussi sur ce projet qu'on évalue à peu près un minimum d'un million d'euros. Et pour l'instant, grâce aux dotations particulières de Bouygues, on va reparler au point de vue financier,
dotation particulière de l'ARS, et si nous votons une affectation de résultats par rapport à l'an dernier, on approche de 650 000 euros. Et donc il y a aussi ça qui rentre dans le... Voilà, peut-être que les personnes, quand vous posez une question, vous pouvez simplement dire votre nom, c'était Monsieur Didier de Nancy, dire votre nom et de quel endroit vous venez, ça nous permet de nous repérer. Michel Ski de Lyon, dans le projet transversal, qu'est-ce qui est entendu sous l'appellation, donc c'est en fin d'étude, étude des paramètres cognitifs, comportementaux et psychologiques. Qu'est-ce qui est mis sous ces termes ? Ben, ça veut dire on ne pourra pas le faire évidemment sur tous les patients parce que c'est quand même très lourd. Hein. Ça veut dire qu'il faut faire passer des batteries de tests cognitifs de manière un peu systématique, de faire également des évaluations. On a des échelles de comportement, on a des échelles éventuellement de tests de personnalité, de l'état psychologique des patients. Il y a des échelles d'anxiété, de dépression. Et l'idée, c'est que peut-être qu'il y ait un certain nombre de centres qui soient, disons, dévolus à cette recherche plus systématique pour pouvoir analyser, disons, le côté... on va dire un peu plus cérébral et un peu plus cognitif des choses, en sachant qu'on ne pourra pas le faire de manière systématique. Un bilan cognitif classique, c'est 1h30. Si vous voulez faire un bilan psychologique couplé, c'est 3h chez des patients qui sont